Bonjour, je m'appelle Mathieu Lebon, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et je suis archéomètre. Je travaille sur le site du Musée de l'Homme au Trocadéro à Paris. Archéomètre, eh bien finalement, c'est une discipline qui est à mi-chemin entre l'archéologie et la caractérisation des matériaux, notamment la caractérisation physico-chimique, mais également la caractérisation d'un point de vue géologique de ces matériaux. Pourquoi je suis archéomètre aujourd'hui? Finalement, je pense qu'il y a une bonne part de hasard au sein de mon parcours. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été curieux de ce qu'il y avait sous mes pieds, des roches, éventuellement des petits objets perdus qu'on pourrait trouver sur le bord des chemins. À un moment donné, j'ai voulu essayer, tenter la chance de l'archéologie et j'ai postulé au muséum et c'est à ce moment-là finalement que j'ai la chance d'être pris en master et que j'ai pu découvrir réellement un nouveau monde et puis y faire ma carrière. Alors au sein de mes activités de recherche, j'ai deux grandes thématiques, une qui est plutôt sur les ossements fossiles et une plutôt sur les pigments préhistoriques. Les études qu'on peut mener sur les matériaux à travers la physico-chimie, la géologie, finalement, elles ne vont pas apporter toutes les informations. On va caractériser un matériau, mais on ne pourra comprendre les résultats de cette caractérisation que si on replace dans un contexte archéologique. On a cette démarche-là d'aller-retour entre les sciences humaines, finalement, et les sciences physico-chimiques. La chimie est un des outils que l'on utilise dans le cadre de nos études et c'est ça qui est intéressant, c'est de combiner différentes méthodologies, différentes façons de travailler, puisqu'on a clairement des façons de travailler très différentes entre archéologues et physico-chimistes, et de combiner toutes ces différentes approches pour faire émerger une nouvelle discipline. On n'est jamais vraiment chimiste, jamais complètement physicien ou archéologue. J'ai la chance, dans le cadre de mon travail, d'aller très régulièrement sur le terrain, puisque finalement, notre étude, elle commence directement sur le site archéologique, notamment par exemple dans le cadre d'analyse de peinture rupestre, où on va essayer dans un premier temps d'analyser un certain nombre d'œuvres, être capable d'avoir un premier diagnostic pour préparer au mieux des analyses, éventuellement des prélèvements. Cette activité sur le terrain représente quand même un temps assez conséquent de mon travail, quasiment 2 mois par an sur le terrain, pour des périodes parfois relativement longues, mais on a la chance finalement de profiter de ces moments de travail pour découvrir d'autres pays, l'Indonésie, le Maroc, la Namibie. On se rend régulièrement avec des collègues depuis 3 ans. À travers ces missions sur le terrain, c'est également l'occasion de mettre en place des programmes d'échange, notamment de mobilité d'étudiants qui peuvent venir se former en France dans nos laboratoires ou au contraire, nous aller nous former à certaines techniques ou envoyer nos étudiants se former à certaines techniques dans d'autres pays. La place de la chimie a augmenté de façon très importante au cours de ces dernières années dans l'archéologie. Finalement, c'est à partir des années 80, avec les développements techniques et instrumentaux qui ont permis de faire notamment des micro-analyses, de travailler sur des tout petits échantillons, qu'on a vraiment eu un essor de cette discipline, l'archéométrie, au sein de l'archéologie. L'idéal, c'est de rester curieux, de profiter aussi des chances qu'on peut avoir à travers des parcours de licence mineur-majeur, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et puis de ne pas hésiter à éventuellement faire un petit retour en arrière pour profiter d'un pont entre plusieurs disciplines. Et les parcours ne sont pas forcément linéaires, donc autant en profiter.